février 1940. À Berlin, le peuple allemand savoure dans le délire les victoires qu'Hitler lui avait promises. Sous le soleil d'été, la guerre est fraîche et joyeuse pour les vainqueurs de l'Europe. Les vaincus commencent seulement à deviner le visage hideux du nazisme derrière le masque de ces jeunes dieux de la guerre. Ils se sont arrêtés sur le bord de la Manche, qu'ils appellent Der Canal. Alors Göring est venu. Il a contemplé les côtes d'Angleterre, haussé les épaules et décrété « Au fond, ce n'est qu'un grand fleuve. L'Angleterre n'est pas une île. » Puis il a installé son état-major au Cap Blanc-Nez, d'où l'on voit par beau temps les falaises de Douvres. Le général Theo Osterkamp, grand as de la Première Guerre mondiale, commandait alors l'aviation de chasse allemande. Tous les pilotes l'appelaient « Oncle Theo ». C'est ici, au Cap Blanc-Nez, j'avais mon PC dans la bataille contre l'Angleterre. En juin 40, notre victoire nous avait surpris. Rien n'avait été préparé pour envahir l'Angleterre. Hitler hésita, faire la paix ou débarquer. La Luftwaffe a pris possession de la Norvège à la Bretagne. Face à l'Angleterre, Göring a donné l'ordre d'attaquer les ports et les convois ici, sur la Manche. De l'autre côté de la Manche, à la BBC, la voix de Churchill réconforte les peuples occupés. Ce que nous voulons, c'est frapper jusqu'à ce qu'Hitler et l'hitlérisme passent de vie à trépas. Nous ne voulons que ça, mais nous le voulons sans cesse. Nous le voudrons jusqu'au bout. N'oubliez pas que nous ne nous arrêterons jamais, que nous ne nous lasserons jamais, que jamais nous ne céderons. Pour forcer le destin, en ce mois de juillet 1940, il faut un patriotisme farouche, entêté, prophétique. À l'ouest, l'Europe est écrasée, hébétée. L'Amérique n'a pas encore bougé. À l'est, Hitler a signé avec Staline un pacte qui a stupéfié la gauche européenne. L'Angleterre est vraiment seule et désarmée. Elle n'a plus qu'un seul bouclier, le fighter command, l'aviation de chasse. Son état-major se trouve près de Londres, à Bentley Priory, un petit manoir que l'amiral Nelson a offert à sa tendre amie Lady Hamilton avant de mourir à Trafalgar.
l'Air Commodore Archibald Winskill, un des as de la bataille d'Angleterre, y évoque une ombre familière. Un homme a joué un rôle capital dans la bataille de Grande-Bretagne, Air Chief Marshal Dowding. En 1940, il était le chef de notre fighter command, c'est-à-dire l'aviation de chasse. C'était un vieux gentleman écossais. Son père était pasteur. Lui, il était très strict, sévère et têtu comme les Écossais. En 1940, contre 3000 avions allemands, il y avait seulement 650 avions anglais. Un contre cinq. Il y avait trois groupes de chasse opérationnels, le 10, le 11 et le 12. Air Chief Marshal Dowding avait placé ses escadrilles sur les aérodromes autour de Londres, the biggest target in the world, c'est-à-dire le plus grand cible du monde. Et puis, le long de la côte, face aux aérodromes allemands du Pas-de-Calais. La bataille d'Angleterre va se dérouler en trois parties. En juillet, les combats pour les convois dans le Manche. En août, l'attaque des aérodromes et des radars. En septembre, l'attaque de Londres. En juillet donc, nous défendions les bateaux et des ports. À Douvres, le 14 juillet 1940, un journaliste de la radio, Charles Garner, se trouve sur le port avec un cinéaste, juste au moment où les Stukas allemands attaquent. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 German dive bombers, Junkers 87. There's one going down on his target now. Bomb. No, missed the ship. And the... There, you can hear our anti-aircraft going at them now. But now the British fighters are coming up. And here they come. They come in absolute steep dive. And you can see their bombs actually leave the machines and come into the water. There's one coming down in flames. Somebody's hit a German, and he's coming down. There's a long streak. He's coming down completely out of control, a long streak of smoke. He's, the man's bailed out by parachute. The pilot's bailed out by parachute. He's going slap into the sea, and there he goes, smash! There's a fight going on. You can hear the little rattles of machine gun bullets. That was a bomb, as you may imagine. Well, yes, oh, we just hit a Messerschmitt. Oh, that was beautiful. He's coming right down now. I think definitely that bird caught him. Down, yes, he's come down. He's come down. You hear those cries. He's finished. Oh, he's coming down like a rocket now. Absolute steep dive. Let's move around so I can wash him a bit more. Here he comes. Down in a steep dive. No, no, the pilot's not getting out of that one. No, that man is finished. I hear the Messerschmitt coming straight above us now. He's just got a balloon, but he's coming down his leg. How they're being chased home. Oh, boy, look at them going. And look how the British... Hey, that is really grand. And there's a Spitfire just behind the first two. He'll get them. Oh, boy, I've never seen anything so good as this. The RAF fighters have really got these boys. Soon after that, everything was quiet again. And we waited for the next. Ainsi s'achevait le premier reportage de guerre en direct, dont le disque est pieusement conservé dans les archives de la BBC. La Luftwaffe, c'est Göring. Göring, l'ancien héros de l'escadrille Richthofen, qui est devenu à 47 ans un ogre de 127 kilos. Göring, le nazi, qui a dit « 2 et 2 feront 5 si le Führer le veut ». En 6 ans, il a forgé la première force aérienne du monde pour son maître Adolf Hitler. Les pilotes ne manquent pas. Depuis longtemps, ils ont été entraînés dans les jeunesses hitlériennes. Ils se sont fait la main en Espagne dans la Légion Condor et ils ont joué un rôle capital dans les campagnes de Pologne et de France. Certains ont déjà des dizaines de victoires. Les meilleurs équipages ont été affectés aux escadres de bombardement, l'arme offensive, car le Troisième Reich n'a que faire d'une arme défensive comme la chasse.
Les avions non plus ne manquent pas. Göring fait le tour de ses usines, acclamé par les ouvriers. Il est, après Hitler, le personnage le plus populaire du Troisième Reich. L'industrie allemande fabrique à des centaines d'exemplaires les meilleurs appareils de l'époque. Le Junker 88, le bombardier le plus rapide de sa génération. Le Henkel 111 et le Dornier 17, qui transportent chacun 1000 kilos de bombes. Le Messerschmitt 109, que les chasseurs ont baptisé Émile et qui atteint près de 600 km à l'heure. Enfin, le Junker 87, le sinistre Stuka, muni d'une sirène pour semer la terreur. À la flotte de 3000 avions qu'il amassait devant l'Angleterre, Göring multiplie les ordres du jour. Diese Luftwaffe hat hier Leistungen vollbracht, die für immer unvergänglich sein werden. Die Luftwaffe hat hier in höchstem Maße mit dazu beigetragen, den Gegner zu schlagen und zu vernichten. Et le 25 juillet, c'est la plus grande attaque de convoi sur la Manche. Fin juillet, Hitler se décide. Puisque Mr. Churchill refuse la paix, que Dieu punisse l'Angleterre. Gott strafe England. Il ordonne à ses chefs d'état-major de préparer le débarquement. Tout a été prévu dans le moindre détail. Sous l'occupation allemande, la livre vaudra 9 marques 60. Cependant, l'état-major a posé une condition, la maîtrise du ciel. Göring, très sûr de lui, a répondu, « D'accord, donnez-moi 5 jours de beau temps. » Dans son ordre du jour numéro 17, le 1er août, Hitler donne donc pour objectif à la Luftwaffe attaquer les aérodromes, chercher le combat, en un mot, détruire la RAF.
pour beaucoup de jeunes pilotes anglais, ces premières attaques sont le baptême du feu. Ils sont un millier à peine qui vont arrêter l'armada invaincue de Göring. Ils ont 20 ans, et pendant ces 3 mois d'été qui devraient être leurs vacances d'étudiants d'Oxford ou de Cambridge, ils sauvent l'Europe. L'un d'entre eux, Richard Hillary, est abattu et affreusement brûlé. À 21 ans, avant de mourir aux commandes de son avion, il écrit, encouragé par Saint-Exupéry, un livre, Le Dernier Ennemi, où il parle de sa génération. Nous étions unis par un goût commun pour l'amitié, le sport, la littérature et les plaisirs oisifs, par une profonde méfiance à l'égard de toute forme d'émotion collective ou de patriotisme de commande. Nous étions gâtés, désabusés, suffisants, et tout le monde trouvait cela normal. On nous considérait comme des pilotes du dimanche, nous avions des cheveux trop longs. La presse nous appelait la génération perdue, et nous étions plutôt flattés. Nous avions un seul espoir, c'était, quand la guerre viendrait, de pouvoir nous battre avec le maximum d'individualisme et le minimum de discipline. Au fond, nous étions égoïstes et nous n'avions aucun idéal. La guerre allait nous en donner un. Ce n'était pas l'héroïsme qui nous intéressait, mais la guerre allait nous fournir l'occasion de montrer, par des actes, notre aversion pour toute forme d'hystérie collective, l'occasion de nous prouver à nous-mêmes et au monde que, quelle que soit notre indiscipline, nous pouvions tenir tête à la jeunesse fanatisée d'Hitler. Snob ou pas, notre attitude était typiquement britannique. Telle était cette génération qui partit pour la guerre le 3 septembre 1939. Le fighter command réclame sans cesse plus de pilotes. Chaque jour, il en tombe qu'il faut remplacer coûte que coûte. L'instruction est accélérée. Quelques séances de double commande et c'est le lâcher sur Hurricane ou sur Spitfire. Les jeunes pilotes connaissent enfin la griserie du vol solitaire au-dessus des nuages. Encore 10 heures d'entraînement et ils sont en escadrille, où ils apprendront le reste en se battant. Ils y découvriront aussi le refuge contre la fatigue, contre le cafard, contre la peur, les camarades. L'un d'entre eux, celui qui a abattu le premier avion allemand au-dessus de l'Angleterre, n'a jamais oublié tout cela. Le groupe Captain Peter Townsend. J'avais 24 ans, je crois. J'étais un vieux de 24, si vous voulez. J'étais le plus vieux de mon escadron. Ils étaient tous très jeunes, enfin beaucoup plus jeunes que moi, sensiblement plus jeunes que moi. Ils avaient peut-être 19 ans, 20 ans. Les plus vieux, les plus coulants, avaient peut-être 22 ans, 23 ans. Nous nous amusions beaucoup, nous étions des pilotes, nous aimions voler. C'était du sport, on chassait son gibier. On se plaignait parfois même que des hôtes, des rivaux, braconnaient notre territoire. C'était du sport. On ne pensait pas beaucoup à la mort. La mort était présente, mais... Nous ne nous prenions pas au très sérieux, je crois. Si le contraire a été le cas, le moral aurait été beaucoup plus bas. Enfin, le moral aurait été fichu. Par contre, notre morale était formidable. Et je crois, je peux dire que tous les pilotes, enfin tous les pilotes qui étaient avec moi, la morale ne franchissait jamais. Mais cela vous paraît peut-être ridicule, bizarre, que je parle au léger de ces choses-là. Mais prenez par exemple, on est abattu. J'étais abattu un matin. Et là, je dois vous dire en parenthèse qu'il me semble assez souvent que les pilotes de chasse sont infiniment plus chers, plus fiers d'être abattus que d'abattre.
Mais enfin, voilà, j'étais abattu un beau matin, vers 6h30, je suis tombé dans la mer, j'ai nagé, c'était le mois de juillet, j'ai pris un bon bain, on m'a repêché, mais pendant quelques secondes, j'étais entre la mort et la vie. Mais ça ne frappait pas, ça ne frappait absolument pas. Il fallait que je saute, il fallait que je compte, un, deux, trois, quelque chose comme ça, tirer. L'anneau qui déclenchait le parachute est tombé. Et mon impression, ma sensation était une sensation de joie, de soulagement, parce que cette fois-là, c'était pas la mort, c'était encore la vie. L'après-midi même, j'ai pris un autre appareil et j'ai continué mon boulot. Et la haine pour les Allemands? Pas une haine, non, je ne crois pas. Presque peut-être, mais pas tout à fait, parce que la haine, quand même, c'est un sentiment qui fatigue, qui est fâcheux. Non, c'était... nous nous acharnions sur eux. Nous voulions les ficher à la porte. Pour donner des avions à la RAF, des collectes sont organisées dans tout le pays, où chacun donne son penny. On récupère les bijoux, les casseroles. On arrache les grilles de Hyde Park. Les deux tiers des escadrilles de chasse sont alors équipées de Hurricane, un avion moins rapide que le Messerschmitt, mais beaucoup plus maniable. Il est bientôt remplacé par le fameux Spitfire, que le pilote d'essai, Geoffrey Quill, présente à Churchill. Équipé d'un moteur Rolls-Royce, il atteint près de 600 km à l'heure et il est considéré comme un des meilleurs chasseurs de tous les temps. Grâce à Lord Beaverbrook, un vieil ami que Churchill a nommé ministre de l'armement, le Fighter Command ne manquera jamais d'avion pendant toute la bataille. The answer is very simple and quite direct. Because le seul problème demeure encore et toujours celui des pilotes. La RAF accueille tous ceux qui sont venus du Commonwealth, ainsi que les volontaires américains. Et les Européens, comme les Hollandais ou les Tchèques, et tous ceux qui veulent poursuivre la lutte avec elle. Les Polonais sont les plus nombreux. Dès le début, leurs 135 pilotes forment des escadrilles 100% polonaises qui ont la réputation d'être sans pitié pour l'ennemi. Le colonel Zumbach, 18 victoires, a combattu en Pologne et en France avant de gagner l'Angleterre. Les difficultés, les premières difficultés que nous avons rencontrées, c'était des difficultés de la langue anglaise, étant donné que personne, ou à peu près personne, ne parlait pas cette langue. Il y avait des leçons d'anglais qui duraient à peu près 3 jours à Uxbridge, où ils nous ont appris 2 ou 3 mots, tourner à gauche, tourner à droite, monter, descendait ou atterrissait. Good morning. Good morning. Good evening. Notre escadrille, à la fin de la bataille d'Angleterre, a descendu 126 avions homologués avec part de 8 pilotes. Mais tous les pilotes ont sauté, même il y avait des vénards qui ont sauté 2 fois. Et moi, j'étais abattu 2 fois. Et comment est-ce que vous avez été abattu? Vous en êtes aperçu? Non, je ne me suis pas tellement aperçu, étant donné que je pensais que l'avion qui était derrière moi, qui c'est mon coéquipier, j'attaquais 3 autres qui étaient plus bas. À ce moment-là, je me trouvais déplumé complètement, avec les manches à balai dans la main, le reste de l'avion mis à part complètement. Tout ce que j'avais à faire, c'est de me détacher des restants de mon siège et ouvrir le parachute. Vous avez d'autres histoires comme ça qui vous reviennent en mémoire, non?
Oui, il y avait aussi un pilote qui avait toujours la difficulté de trouver Northolt, qui était la base la plus facile à trouver. Et il s'égarait à chaque fois. Il atterrissait sur deux ou trois aérodromes pour arriver à bon port. On a découvert qu'il portait dans sa botte d'aviateur un énorme fer à cheval qui faisait dévier la boussole de 30 degrés. Vous, les Polonais et les Tchèques aussi, vous aviez la réputation d'être follement courageux, mais aussi très féroce. C'était vrai? Les Anglais étaient outrés, mais ils comprenaient pas du tout pourquoi nous sommes moins sportifs qu'eux. Ça vient du fait que pour nous, c'était probablement la dernière retraite. Une fois, on était chassé de Pologne, deuxième fois de France, et maintenant tout le monde se dit que d'ici, il n'y a plus d'autre issue que rester sur place et de combattre. Une poignée de pilotes français a participé à la bataille d'Angleterre, 12 exactement. Deux seulement ont survécu, le colonel Lafont et le capitaine Perrin, qui sont retournés ensemble sur leur vieux terrain de Northolt. Arrivés les premiers, ils ont été aussitôt affectés à des escadrilles anglaises. C'est pourquoi ils ont le droit de porter aujourd'hui l'insigne de pilote de la RAF. Oui, c'était fermé ici. Oui, oui. Plus tard, d'autres les ont suivis, avec qui ils ont formé des escadrilles françaises. Mais au début, ils étaient au squadron 615, l'escadrille Churchill. J'étais à Oran en groupe de chasse 1-10, au moment de la débâcle. Et Mouchot, Guéret et moi avons décidé de partir en Angleterre parce que nous ne pouvions pas supporter cette idée de ne pas s'être battu pendant la campagne de France. Nous ne pouvions pas accepter une fin de guerre si minable. Comme on disait à l'époque, vous avez rejoint De Gaulle. Oui, nous avons rejoint De Gaulle. C'est-à-dire que nous avons été très heureux en arrivant à Gibraltar d'apprendre l'existence d'un général De Gaulle, d'un général français. Ils seront là, à Londres, avec le général De Gaulle, pour célébrer le 14 juillet 1940. Nous logions soit dans des maisons aux environs de la base, aux environs immédiats de la base, soit derrière le mess, dans des petites bungalows, des petits trucs spéciaux, d'ailleurs qui servent toujours, sont toujours en usage. On n'a jamais eu l'impression de discipline, pas plus que nous avons eu l'impression de contrôle ni de petites mesquineries comme ça. Nous étions pilotes, nous étions censés faire notre travail consciencieusement, et on nous laissait vraiment la vie belle. Et vous avez eu vraiment l'impression d'être traité avec une parfaite égalité? Ah, absolument, oui. Si c'est même pas, peut-être même avec une pointe de gentillesse pour nous qui étions français. Et vous étiez sensible à ça? Est-ce que c'était la même chose du côté des civils? Oh oui, en point de vue civil, nous avons été à Londres vraiment chouchoutés. Un Français à Londres faisait absolument tout ce qu'il voulait. Et surtout quand on savait que vous étiez le Royal Air Force et pilote. La radio de Vichy parlait de vous? Ah oui, nous avons eu souvent l'occasion d'être mentionnés par cette belle radio de Vichy. Et je me rappelle, mais c'était peut-être un peu plus tard, à Kenley avec Mouchotte, on entendait souvent le soir parler des mercenaires français qui se battaient en Angleterre pour de l'argent, chose qui nous choquait profondément, étant donné que bien souvent, nous n'avions pas sur nous de quoi nous acheter seulement un demi. Nous n'avions qu'un but, nous autres, c'était faire des missions, essayer de trouver du bauge. Je m'excuse d'employer cette expression, mais on aurait aimé bouffer du bauge, parce qu'on ne pouvait pas oublier tout de même qu'ils étaient en France, qu'ils nous occupaient. Il y en a une dizaine environ. Je vais d'abord parler de Mouchot, parce qu'il est quand même le plus connu à cause de ses carnets. Et d'autre part, si nous sommes partis ensemble, c'était quand même mon meilleur camarade. Il y avait Guérin aussi, qui était ensuite le troisième équipier de Gibraltar. Guérin était le grand ami de Mouchot depuis le début de la guerre. Je crois même qu'ils étaient connus avant la guerre. Ensuite, je parlerai surtout de Bouquillard. Bouquillard était le plus âgé de nous. Nous l'appelions le grand-père. Il n'avait qu'une passion, Bouquillard. C'était voler.
tous morts, excepté Perrin et moi. Mouchot s'est fait descendre en 1943, le 30 août exactement, je crois. Bouquillard s'est fait descendre en mars 41. Il a été enterré dans le Kent. Son enterrement était d'ailleurs extrêmement émouvant. Je n'ai jamais vu autant d'Anglais, parce que Bouquillard était autant aimé des Anglais que de nous autres Français. Ensuite, c'est Guérin qui s'est fait descendre. Non, Guérin ne s'est pas fait descendre. Il a eu une panne de moteur au-dessus de la mer et il s'est posé en mer et a disparu. Comme Brière, d'ailleurs. Brière a disparu quelques jours après, dans les mêmes conditions. Cheron s'est fait descendre au-dessus de la Manche. Fayol s'est fait descendre à Dieppe. Il avait accepté de commander un groupe de chasseurs bombardiers, de Hurricane bombardiers. C'était presque un groupe suicide à l'époque. La Bouchère, on ne sait pas trop si la Bouchère s'est fait descendre ou s'il a eu une panne d'oxygène en altitude. Mais il est aussi mort au début 42, je crois. Nous n'avons jamais douté d'ailleurs de la possibilité d'une défaite anglaise. Mais je crois que s'il y avait eu une défaite anglaise, nous serions partis plus loin. Et votre participation à la bataille d'Angleterre? Bien, notre participation à la bataille d'Angleterre n'a rien fait de formidable, n'a rien fait de sensationnel. Nous avons fait, comme je disais tout à l'heure, une mission, la mission d'un petit exécutant dans une escadrille. Mais enfin, le seul mérite qu'on a, c'est d'avoir été les premiers à se battre. Le 15 août approche. Et Göring, qui s'est donné 5 jours pour liquider la chasse anglaise, commence à trouver que les choses traînent en longueur. Il vient à Paris, à l'hôtel Ritz, qui est le quartier général de la Luftwaffe, et il décide de frapper un coup décisif. Il le baptise lui-même l'Adlertag, le jour de l'aigle. La date est fixée. Ce sera le 13 août à 14 heures. Mmh. 900 bombardiers, 300 Stuka, 700 Messerschmitt sont en état d'alerte. On n'avait jamais vu ça.
Sur les plages de la Manche, des Anglais toujours imperturbables admirent le spectacle. Sous leurs yeux, la chasse anglaise abat 40 avions allemands et remporte sa première grande victoire. Vu d'en bas, le dogfight, le combat aérien, paraît être une mêlée confuse. Pourtant, selon le groupe Captain Stevens, la tactique aérienne est très simple. En général, vous aviez des formations bien coordonnées qui s'approchaient l'une vers l'autre. Et la première rencontre, si vous voulez, était assez ordonnée. Mais tout de suite, ça dégringolait dans une série de combats individuels, avec des avions qui tournaient en rang et qui essayaient de se mettre l'un contre sur la queue de son adversaire. Et c'était là que l'importance de la maniabilité des avions. Par exemple, là, le Hurricane présentait des avantages très considérables. Il gagnait tout de suite sur le rayon de tournement des Messerschmitt 109, qui était forcé de se désengager le plus vite possible, parce que sinon, si ça continuait, inévitablement, le Hurricane arrivera aux positions où il peut ouvrir le feu. Et c'était là que beaucoup de gens ont perdu la vie en faisant des erreurs assez élémentaires dans le tactique. Du moment que vous avez quelqu'un sur la queue comme ça, le seul moyen était de tourner en rond et, si vous voulez dégager, dégagez en piquant. Et cela m'amène à vous parler, n'est-ce pas, de cette attaque de face. Cette attaque avait beaucoup d'inconvénients, la vitesse. D'approche, de fermeture, si vous voulez, même à cette époque, était très élevé, peut-être 600, 700 km à l'heure. On avait très peu de temps pour tirer. Le risque de collision était très, très réel. Mais le grand avantage, c'est que si on visait bien, on touchait le leader. Le leader partit, les autres était tout de suite en désarroi. Puis, je dois vous expliquer les attaques. Il y avait l'attaque contre les bombardiers, ou bien l'ennemi, par derrière, comme ça. Par-dessous, par-dessus. Et de face. Et c'était l'attaque de face que finalement nous avons trouvé était l'attaque la plus efficace. Une des choses les plus spectaculaires que j'ai jamais vu, c'était mon squadron commander qui a descendu d'un seul rafale, trois avions. C'était des Stuka, et moi je le suivais assez près, et il a ouvert le feu, et le premier avion a explosé, et je ne sais pas si c'était une manœuvre involontaire ou l'explosion du premier avion, mais le deuxième est rentré dans le troisième, et tous les trois, ils sont descendus en flammes, comme ça. Et ce que je trouve peut-être le plus ironique, c'était que mon squadron commander était très myope. Entre les combats, c'est l'attente. Les heures de bureau, disent ironiquement les pilotes.
Il fait si beau, et la guerre aérienne est ainsi faite. Quelques secondes d'angoisse où l'on frôle la mort, puis c'est le retour à l'arrière. Aux rengaines de Véraline, à la tasse de thé, à la campagne anglaise, aux bandes dessinées du Daily Mirror, qui raconte les aventures de Popeye, la mascotte des pilotes de chasse. Dans l'autre camp, le spectacle est le même. On pourrait s'y tromper si les chansons de Sarah Lander n'étaient pas plus romantiques encore. Schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Du côté allemand, deux pilotes de chasse sont devenus des héros nationaux. Mulders, le romantique, taciturne, et Galant, le raître, exubérant. Eux aussi considèrent la guerre comme un sport. Mulders a déjà remporté 54 victoires. Étrange destin, il mourra bêtement dans un accident d'avion piloté par un autre. Galant, le cigare toujours au bec, sera général à 30 ans et terminera la guerre avec 104 victoires. Pour survivre à 4 ans de combats aériens, il faut une audace folle et une précision maniaque. Ce sont les deux qualités d'un pilote de chasse, ce sont les deux qualités de Galant. Devenu homme d'affaires, il est revenu sur l'aérodrome de Calais dans son petit avion de tourisme. J'ai vécu dans le Pas-de-Calais pendant une année et demie. Je suis arrivé comme capitaine, je suis parti colonel. Je vais vous montrer où était mon escadre. Il y avait au moins une trentaine de terrains d'aviation autour de Calais, sans compter la plage. La plage était couverte de carcasses d'avions qui avaient atterri en détresse. Voilà mon terrain. Oui, c'est ça, Odenberg. Ah ah! Vous voyez les abris pour les avions. Nous décollions ici, comme ça, exactement comme ça. Voilà, Vincent. Oui, c'est Vincent. Dans cette maison, c'est là, oui. Kesselring m'a remis la croix de chevalier. La Rittercreuz. Sa croix de chevalier, Galant raconte qu'il l'a arrachée de son cou et jetée au pied de Göring un jour que celui-ci traitait les chasseurs allemands de poltrons. Il leur reprochait d'abandonner les bombardiers qui se faisaient alors massacrer par la chasse anglaise. En fait, dit Galant, les Messerschmitt avaient 1h30 d'autonomie de vol, juste de quoi aller à Londres et revenir. Si nous acceptions le combat, quand les Spitfires nous attaquaient sur le chemin du retour, une petite lumière rouge s'allumait aussitôt sur notre tableau de bord. C'était la panne d'essence et au mieux, le bain forcé dans la Manche. Et Galant conclut, nous étions comme des chiens en laisse. Aussi très vite, les pilotes allemands ne crurent plus à la victoire et devinrent très amers. Galant, qui avait son franc-parler, ne le cachait pas. Un jour que Göring lui demandait sur un ton protecteur « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Galant ?» Il lui répondit sèchement « Donnez-nous des Spitfires, monsieur le maréchal. » À la fin du mois d'août, le moral est pourtant encore très haut dans les escadrilles allemandes. Les films de propagande du Troisième Reich montrent à toute l'Allemagne comment Galant remporte sa 51e victoire sur les Spitfires. À ce moment-là, la Luftwaffe est bien près de gagner la bataille d'Angleterre. Malgré ses prouesses, la chasse anglaise a cruellement souffert. Elle est à bout de souffle. Les pertes sont terribles.
400 avions abattus, 103 pilotes tués, 128 blessés. Les pilotes qui volent 5, 6, 7 fois par jour sont exténués. Pour quelque temps, les pilotes allemands se croient les maîtres du ciel. Göring vient leur distribuer des médailles. Un événement totalement imprévu change le cours de la bataille. Le 24 août, une escadrille allemande bombarde les docks de Londres. C'était une erreur, affirment les Allemands. Nos pilotes avaient des ordres très stricts pour éviter Londres. Certains assurent même que les coupables furent punis. Churchill, qui est angoissé par la crise du Fighter Command, saisit la balle au bon. Le lendemain, il ordonne à la RAF d'aller bombarder Berlin à titre de représailles. À cette époque, l'entreprise est absolument insensée, mais elle réussit. Et elle est annoncée comme une grande victoire. We make no apology for the adjective, but we take terrific pleasure in presenting these first intimate and unrehearsed pictures of real history in the making. How I've been longing to say this. The RAF are back from bombing Berlin, and now the men who bombed Berlin reporting to intelligence. Well, how'd you get on? Pretty well, so we got the target all right. Good. Let's have a rough idea of the immediate raid report. First of all, what time did you bomb? Actually, at 23:59, sir. Did you drop all your bombs? Yes, we put them down with one stick from east to west, right across the target. En fait, les dégâts dans les faubourgs de Berlin n'ont pas été très sérieux. Mais les dirigeants nazis vont tomber dans le piège que leur a tendu Churchill. Göring, qui un jour a déclaré imprudemment « Je veux bien m'appeler Meyer si un avion ennemi arrive jusqu'à Berlin », est hors de lui. Londres sera détruite. Et le 7 septembre, c'est le changement d'objectif, le Zielwechsel, la plus grande erreur de Göring. Alors que la chasse anglaise est peut-être sur le point de craquer, la Luftwaffe reçoit pour nouvelle mission de bombarder Londres et les villes anglaises. L'épreuve va être terrible. Elle fera plus de 20 000 victimes. Mais ni le courage, ni le sang-froid, ni l'humour des Anglais ne seront jamais atteints. Malgré les ruines, Churchill sait maintenant qu'il gagnera la partie. Ici, dans cette ville de Londres, que Herr Hitler prétend réduire en cendres et que ses avions bombardent en ce moment, nos gens tiennent bon. Nous attendons l'invasion, promise souvent et de longue date. Les poissons aussi. Les pilotes de bombardiers allemands eux-mêmes s'aperçoivent bien vite que leur chef accumule les erreurs, comme le raconte le général Hauser. Pendant la bataille d'Angleterre, j'appartenais d'un escadron de Junkers 88, un avion comme ça. Nous savons aujourd'hui que nous avons fait une grande faute avec cet rassemblement en haute altitude sur la région nord de la France. Dans une époque où les Anglais avaient installé déjà les stations de radar.
Les Anglais disposent en effet d'une arme secrète, le radar, qu'ils ont mis au point juste avant la guerre. Son inventeur, Sir Watson Watt, peut répondre à Goering, grâce au radar, l'Angleterre est de nouveau une île. We have now written, by radiolocation, a new one. Britain, an island again. Les pilotes anglais ne sont plus aveugles dans le ciel. Tous les renseignements recueillis par les stations radar de la côte sont centralisés dans les ops rooms, les salles d'opération, qui sont en contact radio avec les pilotes. Ainsi, les contrôleurs peuvent conduire les chasseurs comme par la main sur les bandits. C'est ainsi qu'ils appellent les Allemands. On entendait de tout dans ces haut-parleurs. Les jurons des pilotes ou leurs cris de joie et aussi les rendez-vous qu'ils donnaient à leurs petites amies de l'Ops Room. Mais un jour, tout le monde se tut. On entendit la voix d'un jeune pilote de 19 ans dont l'avion tombait en flammes et qui récitait le Notre Père. Le 15 septembre, les Ops Room alertent tous les terrains d'aviation d'Angleterre. Des centaines de bandits se dirigent sur Londres. En deux semaines, la chasse anglaise a pansé ses blessures. De partout décollent les escadrilles de Hurricane et de Spitfire. Ce jour-là, tout le monde est en l'air pour le plus grand combat de la bataille d'Angleterre. C'est une victoire décisive pour la chasse anglaise. Dans les rues de Londres, on scrute le ciel et on compte les coups comme pour un match de cricket, car on est anglais. Mais dans le fond de son cœur, on voudrait crier de joie. Le lendemain, 16 septembre, tandis que les Anglais déblaient les carcasses des bombardiers abattus, les pilotes allemands vont tout casser dans les bars de Lille et de Calais. Un des as de la chasse allemande, le général Steinhoff, se trouvait avec eux. Et après le 15 septembre, vous savez, le 15 septembre est décisif pour la victoire de la RAF. Le criticisme dans les escadrons est monté. Et on a cru que cette bataille ne peut pas gagner. Les yeux de l'Angleterre sont maintenant fixés sur les héros du Fighter Command et leur chef, Lord Dowding. C'est à ce moment-là que Churchill, parlant d'eux, déclare « Jamais, dans l'histoire des conflits humains, autant d'hommes n'ont eu une dette aussi considérable envers si peu. » Tous les Anglais connaissent leurs noms. Johnny Johnson, Ginger Lacey et Stanford Tuck, 29 victoires, surnommé le Vénard, et Douglas Bader, 22 victoires, surnommé l'Indestructible. C'est un cas. À la suite d'un accident en 1938, on doit lui couper les deux jambes, mais il veut continuer à voler quand même.
En 1940, le ministère de l'Air finit par céder. Motif, son infirmité n'est pas prévue dans la liste des incapacités de vol. Aussitôt, il devient un des as du Fighter Command. En 1942, il est abattu à Saint-Omer, où le général Galland l'invite à sabler le champagne à la popote des pilotes allemands. Quand il a sauté en parachute, ses deux jambes artificielles se sont cassées. À la demande des Allemands, les Anglais lui en ont parachuté deux autres, et dès le lendemain, il tente de s'évader. My name is Douglas Bader, and I'm delighted to be here on this occasion. This is 25 years after the Battle of Britain was fought, and I'm standing on this, if I might say, historic, if not holy ground of Biggin Hill. Douglas Bader mérite vraiment son surnom, l'indestructible. Il a été abattu quatre fois. Une balle lui a arraché son masque à oxygène, une autre la manette des gaz. Et il est toujours vivant. My name's Robert Stanford Tuck. They used to call me Lucky Tuck. The weather was very similar to what it is today. It was beautiful, cloudless weather the whole time in 1940, and very hot. What are your feelings towards the German pilots of 1940? Oh, I think they were just doing the job they had to do at the time. I have many friends amongst them now in Germany that I see very frequently. Such as? General Galland, Adolf Galland, he's a great friend of mine. He comes over and spends weekends with me, and I always drop in and see him when I'm over there. We have a lot of fun together. These are your feelings towards the German fighters, but what about the German bombers? Well, I don't think, you know, aerial warfare is a very impersonal affair, and all you're trying to do the whole time is outwit the other fellow, and when you've outwitted him, plunk, you shoot him down. Au bar des pilotes de Biggin Hill, le portrait de René Mouchotte est toujours en bonne place. À côté de celui d'un des plus grands as anglais, Alan Deer. My name is Alan Deer, and I am a general in the Royal Air Force. Il a été abattu neuf fois. Neuf fois, il a sauté en parachute et il a 22 victoires. Tous les as ont signé sur un volet de l'auberge de Biggin Hill avec le groupe Captain Davis. Il n'y avait pas que des as. Il y en avait qui n'avaient pas beaucoup de chance, qui ont été descendus plus tôt que les autres. D'autres ont survécu. Il y en a qui n'ont même pas abattu un avion ennemi. Et je regrette qu'on ne pense pas tellement à cela. Notre Royal Air Force a fait plus que de tenir tête à l'ennemi. Ayez donc espoir et confiance. Rira bien qui rira le dernier. Le 12 octobre, Hitler annonce que le débarquement est remis sine die. La bataille d'Angleterre est terminée. C'est le premier échec. Göring retourne dans le Pas-de-Calais, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour féliciter ses pilotes. Une fois de plus, ils changent l'ordre de bataille. Les bombardements de jour ont été trop coûteux. Désormais, on bombardera l'Angleterre de nuit. C'est le commencement du Blitz. Mais ceci est une autre histoire. Lord Dowding of Bentley Priory, l'homme qui a gagné la bataille d'Angleterre, a maintenant 82 ans. Il vit à la campagne retiré et solitaire. Pourtant, il n'est pas seul. Ombre parmi les fantômes, il vit avec les morts. Ces jeunes pilotes tués pendant ce bel été de 1940. Un si bel été.
pour la première fois, le vieil homme qui refuse toute visite a accepté de parler aux vivants. Brave men, I will never admit that I've been frightened at all. And you'd think that it was all a great joke for them, the whole business. Well, of course, I know better than that. And I know what these fellows felt when day after day, week after week, they'd had to go out and the German attacks seemed to get stronger instead of weaker. But there was never any hint of that which reached me during the battle. The lads fought magnificently. And of course, if they hadn't fought like that, if they had cracked, well, then we should have lost the battle. They suffered terrible losses, didn't they? Yes, very heavy losses, yes. Very heavy. Les avions qui ont gagné la bataille d'Angleterre, eux aussi, ont pris leur retraite depuis longtemps. Mais la RAF soigne jalousement un des derniers Spitfire, auprès duquel on rencontre parfois son ancien pilote d'essai, Geoffrey Quill, les cheveux blanchis. Le Spitfire que j'ai piloté pour la première fois en 1936, je vais le piloter devant vous pour la dernière fois.